Wow, aujourd'hui c'est la fête des récoltes. Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Comment, vous êtes déjà levé vous? Ah bah oui, d'accord, il est 6h du matin, les filles se lèvent. Et puis voilà, on va qu'à leur vie. Donc si c'est les jours des récoltes, c'est férié, c'est ça? Jour férié, donc personne va assis, quoique. Je sais pas, apparemment ils iraient à l'école quand même. Je sais déjà plus moi si les gosses ils vont à l'école ou pas. Alors, la dernière fois, on avait vu grandir Rosemonde et Tilda, il me semble, en enfant. Ouais, il y a moyen. Voilà, elle est loin d'être adolescente. La prochaine à devenir adolescente, ce sera Solveig dans 2 jours, Sims. Avec les yeux rouges et les sourcils noirs, bien sûr, comme d'habitude. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Sachant que sa mère, c'est. Ouh là là, je sais plus. Sa mère, c'est qui? Est-ce que c'était Amandine? Ah bah Amandine s'est mariée aussi maintenant, ça y est. Ah mais ils se marient tous en fait, hein. Ils font un enfant avec mon héritière et puis après ils se marient tous avec quelqu'un. Regardez, elle s'appelle plus Amandine. Je sais plus c'était quoi, c'était Corbin, je crois Corbin. Bah elle est plus, voilà. Elle, ah bah elle était déjà mariée de toute façon. Lui il s'est marié aussi. Oh il est, elle est déjà, oh. Puis alors elle est décédée. Voilà, donc tous ses amoureux sont morts. C'est triste, hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Faut passer à autre chose. Ah non! Les gnomes de dessus de la cheminée sont partis! Je les ai vus. Ils se sont désintégrés sous mes yeux. Mais ils sont où? Ils sont partis dans le jardin. Ils sont partis dans le jardin et veulent. Oh! Il y a une piscine! Ouais, super! Attends, on va aller faire un tour dans la piscine. Mais moi, je savais pas qu'ils revenaient à la vie. Je pensais que c'était des trophées et qu'après, voilà. On en faisait ce qu'on voulait, quoi. Bah, en fait, non. Donc, ils vont venir encore nous inquiéter toute la journée. Youpi. Odile, elle pleure parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Je sais même pas qui c'est. Bah, c'est elle. Ah, merde, si! C'était la fille de Joris! Ah ouais! Ah ouais, mince! Ah bah ça commence! Oh là 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 là! Donc bon, bah voilà. Donc elle a sa cousine qui est décédée. Voilà, c'est cool, tout va bien. Non mais voilà, ils sont flippants là, ils vont venir emmerder Philippine au pied du lit. Non mais laissez-la tranquille! Laissez-la tranquille! Ah, et puis avec leurs gros yeux globuleux là, qui me font peur. Oh non. Et voilà, on doit aller chez le véto. J'en ai marre. Viens, on va aller chez le véto avec le chat. Ça commence à être chiant, hein, d'aller chez le véto tout le temps. Mais pourquoi c'est... Emmène-le-toi. Laisse-le tranquille, Rosemonde. Oh. Oh, il fait des gros câlins, c'est mignon. Bon, par contre, faut encore aller chez le véto. J'ai l'impression d'y aller à chaque épisode des Sims en ce moment, ça me pète les noix, quoi. Laisse le chat! Ok, bon, bah tu me préviens quand... Et toi, je t'ai dit de te lever, en fait, donc je sais pas. Tu attends quoi pour te lever? T'es dans le coma, Philippine, ou quoi? Allez, c'est bon, deal. Tu vas pouvoir amener le chat à la clinique vétérinaire. Qu'on aille le faire soigner, hein, comment savoir ce qu'il va avoir. Pff, oh bah oui, bah elle est triste, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, on y va. Oh là là! D'accord, elle a développé une nouvelle spécificité. Bombe émotionnelle. Ah, mais super! C'est vrai qu'elle a un point de. De fame, alors ça y est. Pour castration. Maladie surtout. Oh, regarde, il y a une demoiselle. Ah non, c'est un garçon aussi. Allez, et puis tu vas l'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Inscris-le là. Notre petit pastèque. Ah, le petit chat, il va gerber. Voilà. Une bonne gerboise. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas du mâle pour toi, Odile, dans le coin? Du mâle ou de la femelle, hein. Oh, encore un autre chat. Et c'est une fille qui n'a pas de queue. Est-ce qu'il serait pas intéressé, Pastèque?
à faire des bisous avec elle. Bon, elle bave un peu, hein, mais à moins qu'ils soient intéressés par les garçons, comme sa maîtresse Odile, elle soit intéressée par les femmes, hein, qui sait. On va bien voir. Hein. Voilà, ça commence à être dégueulasse ici. Oh, pauvre petit pastèque! Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais on t'en fout, tu t'es marié avec notre ex, ça va pas, toi? Remarque, s'ils font des enfants, ils seront super beaux, mais bon. Allez, pastèque! On va te faire au school tie. Oh, petit chou. Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Alors? En plus, moi, je suis allée chez le veto aussi cette semaine pour mon petit minou. Bah voilà. Et on va y mettre ça. Et puis voilà, donc ça me rappelle des souvenirs. C'est tout? On peut rentrer chez nous? Voilà, on a payé. Tu vas mieux, ma pastèque? Ça va mieux, mon pastèque-coun. Allez, on va faire un petit câlin. On a dépensé des sous, hein, pour toi. Oh. Est-ce que tu peux lui faire un câlin réconfortant? Non, tu peux pas. Bon, bah allez, on rentre à la maison. Allez, tout va mieux. D'accord. Bon ben, on va faire quoi? Il faut décorer la maison. Allez, on va décorer la maison. Accrocher les décorations. Voilà, ça c'est fait. Il va falloir interagir avec les gnomes qui regardent la télé. Toi, tu vas calmer le gnome. Ils ont l'air de kiffer des choses différentes. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, parce que c'est elle qui a dû valider un truc, peut-être. Je sais pas trop. Alors, tu vas calmer le gnome, tu vas lui donner un jouet. Tu vois, tu vas le calmer, celui tout doré. Et tu vas lui donner... Tiens, du café. Et toi, tu vas calmer lui avec un cube du futur. Bon, ça va pas marcher. Ah, il a cassé la télé, l'enfoiré. Oh, vas-y, tu vas implorer de pardon. Ah, par contre, Philippine, elle a réussi. Est-ce que tu vas te faire électrocuter Et non, c'est bon! Hey, les filles, elles ont réussi! Bon, ben voilà, on les a calmées. Ah, ils ont remis la télé! Ah, c'est magique! Je savais pas qu'alors, je savais qu'ils pouvaient casser les objets, mais. Ah, tiens! Mais Ril, qu'est-ce que tu fous là? Mais je savais pas qu'ils pouvaient carrément la réparer ensuite, quoi. Qu'est-ce qu'il a, lui? T'as pas... Il est éteint le PC, qu'est-ce que tu racontes? Mais Ril, qu'est-ce que tu fais caché dans nos toilettes? Viens, 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 on va discuter. Viens, viens, viens à Saint-Germain. Non, t'as pas demandé de partir. D'accord, bah, va faire ton petit pipi. Ça, apparemment, t'as l'air d'avoir. Oui, t'as. Oui. Bah écoute, son... à la limite, c'est le chat qui vient te voir. Regarde, le chat, il est triste. Oh, mais qu'est-ce qu'il a encore? Pff, réveillé. Ah non, parce qu'il va dormir. Il dort assis, le chat, d'accord. D'accord, nous avons un chat très spécial chez nous. Non mais. Il y a Meryl qui s'éclate sur la. Oh là là, vache, comment elle a pris un coup de vieux. Ouais, une fois quand même. Bah, il fait un soleil, mais il fait frais. Ah non, 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 elle y retourne. Elle s'éclate sur la. C'est n'importe quoi. Ah bah ouais, ça l'a fait marrer, écoutez, hein. Voilà, c'est bien. Venez chez nous, vous éclater. On s'amuse bien, vous voyez. On a tout ce qu'il faut. Allez, venez à la bouffe, parce que... Même si vous avez déjà mangé. Parce que là, il faut fêter la... Ah non! Tu vas pas être malade, toi, là-bas! C'est interdit d'être malade. Et l'autre, elle se balade en maillot de bain depuis tout à l'heure. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi, les gosses. Ils ont tous mangé, ils vont être obèses après, mais bon, c'est pas grave. Mais... Toi, viens manger un morceau quand même, c'est pas grave. Oui, d'accord. Oui, en fait, tu t'en fous du repas, mais. Ah, je me demandais qui c'était. C'est juste le réparateur. J'ai rien dit. Bonjour, monsieur. Vous pouvez réparer la lave-vaisselle, s'il vous plaît. Merci. Voilà, ça a coûté cher pour 3 coups de tournevis. Bah, c'est professionnel, hein. Donc, coup de tournevis chez eux, c'est rapide. T'es pas mal, dis-toi, monsieur, là, adulte. Akito Sakamoto. Est-ce que tu pourrais être le petit ami de ma Odile? Ouais, elle fait plein de trucs en même temps, Odile. Là.
Rien ne va plus. Rien ne va plus. Il doit finir son bouquin, doit se présenter, parler à ses filles, elle mange, je sais plus. Hein. Voilà, maintenant tu l'as dans tes contacts. Oui, bah voilà, tu l'as. Hé, le chat! Putain! Putain! Le chat! Le chat! Tout à l'heure, c'est elle qui a pu lui dire un truc. Mais oui, mais voilà, elle, elle peut le faire. T'as dit quoi? Ouais. Allez! Allez, va gueuler sur le chat! Putain de chat de merde! Je vous jure! Ah non, il est relou! Mais putain! Oh, tu vas venir là! Tu te dépêches! Ah, il est en train de tout bouffer! Regarde-le! Mais vas-y! Mais putain, mais c'est pas vrai, sérieusement! Tu vas l'engueuler, point barre! Ah, oh, j'en ai marre des Sims là qui peuvent pas faire la moindre action. C'est quoi cette tenue dégueulasse que je t'ai mise? Allez hop! Ah non, mais sérieusement, je vais mettre combien de temps? En fait, pour une fois qu'il y en a une qui peut, en fait, elles peuvent pas. Mais la blague! Ah, oh, c'est pas possible! Mais tu me pètes les noix! Mais viens là! Oh, désolée, hein, c'est la rage. Hein. Vous connaissez la rage? Il y a longtemps que j'ai pas été en rage. Hein. Voilà, ça vient là, je le sens. Vas-y, engueule-le! Oh! Oh, je vais péter un câble. Oh, je vais péter un câble. Oh, ce jeu me rend dingue. Ce jeu me rend dingue. Youpi! Elle a pu dire quelque chose. Alors, tu peux réclamer ce lit-là plutôt, toi. Tu vas aller plutôt dans le lit grand et toi. Ouais, si tu veux, tu dors là et toi, tu vas dormir là. Les deux plus petites dans les plus petits lits. Pas enfin, les, je veux dire les lits, voilà. Hein? Bon. Et toi, pourquoi tu vas bosser sur ce PC-là? Oh là là, mais t'es nul. Allez, va. Tu m'énerves. Tu vas pisser. Tu vas dormir. Faut que je me zen. Après l'épisode du chat, non mais c'est n'importe quoi. Oh, le chien chiant. Le chat chiant. J'ai dit quoi, le chien chiant? Oh, souris. Cette fois-ci, c'est pas comme Rudy qui a disparu du jour au lendemain sans que je le voie. J'ai pas eu d'annonce ni rien. Il est juste mort. Non, va te coucher, Philippine. Va te coucher, Philippine. Je sais, t'es triste, mais... Il est où? Elle est où? Ah, la mort, elle est sur le balcon. La mort, elle est sur le balcon. T'es pas un peu coincé? T'es pas un tout petit peu coincé? Tu as pastèque sur ta liste? Mais non, regarde, t'as un sim. Nous, c'est un chat. C'est pas la même chose, regarde. Oui, il est en train de chercher. Il se dit, bah non, j'ai pas de chat, moi, sur ma liste. J'ai un viking. Bon, bah, je vais quand même y aller, hein, bon, le machin. Pastèque. Et puis, là, vraiment, c'est... Alors, les Sims, tout le monde s'excite dessus, mais le chat, tout le monde s'en fout. Enfin, il y a Philippine qui est venue, mais... Les autres, ils s'en foutent, quoi. Ah, ça me fait mal au cœur. Voilà, il y a un peu trop de décès en ce moment dans mes Sims, ça va pas du tout. J'ai rien dit. Elle a quand même vu. Enfin, elle sait qu'il est mort. Elle est soi-disant témoin, même si elle l'est pas. Ah, bah voilà, l'anniversaire de Solveig bientôt. Donc, Rosemonde est tristoun pour Pastèque. Voilà. En même temps, c'est normal, hein. Oh, la mort, elle est encore coincée sur le balcon. Tilda aussi. Voilà, bah elle aussi. Bah oui, bah ça va être la journée des pleurs. Et elle, non, ça va. Tranquille. Puis il va y avoir l'école. Oh, les pauvres chouquettes, elles ont perdu leur petit minou.
En même temps, on l'a eu assez tôt, hein. Je crois que Philippine a été bambine, hein, donc bon. Elle est quand même grande maintenant. Voilà, elle va devenir adulte, donc ça va être très rapide. Qu'est-ce que tu fais du sport, toi, déjà, à cette heure-ci? Hein? Bon. Et toi, alors, tu grandis quand? Dans un jour, ok. Bon, on va attendre quand c'est zéro. Ah ouais, tu te mets devant le mur pour jouer là. Ok, très bien. Bon, allez. C'est l'heure d'aller à l'école. Pour tout le monde. Et vous allez vous faire des amis. Parce que c'est important dans la vie. Surtout si vous êtes héritière et qu'il vous faudra trouver un père pour vos enfants. Oh là là. Bah, allez, Solveig. Hein. Ah non, c'est triste, hein, je le sais. Hein. Perdre son petit minou comme ça. Il n'y a rien de pire. C'est très très triste. Bon, allez, toi aussi va à l'école. Dépêche-toi. Bon, les quatre, elles s'en vont la tête baissée quand même. Hein. Ah, elle a rencontré qui? Naoki. Très bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, hop, à tout à l'heure. Non, mais tu nous fais quoi là? C'est pas le jour de la journée du basket, hein? Tu vas aller taffer, tu vas bouffer un coup et puis après tu taffes. Hein. Tu taffes, tu taffes, tu taffes. Oui, elle a fait un livre. Elle a fait un livre. Par contre, je sais pas pourquoi, elle va toujours sur ce PC-là. Livre de genre, livre de motivation. Vas-y, t'es confiante là, t'as tout ce qu'il faut. Norman. Non, 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 Norman, tu peux venir à la maison si tu veux, mais on ne se déplace pas. Vous êtes super. Ouais, on est super. Et vous aussi, vous êtes super. Bon, ça y est. Elles sont toutes en train de péter un boulard, elles sont toutes malades. C'est la maison, hein? Ça commence à bien faire, hein? Ok, elles sont revenues. Ça va pas, toi t'es malade. Ouais, va te divertir. Toi, va manger. Toi, va manger. Il n'y en a aucune qui va bien. Et elles vont dire, mais non, je peux pas y manger. Il y a quelqu'un qui va déjà dans le frigo. Bon. Eh bien là. C'est toi qui vas manger. Ouais, vous battez pas. Dans ce cas-là, il y en a une qui peut faire la vaisselle. Hein? Tiens, toi tu peux faire la vaisselle si tu veux. Je vois que tu as envie d'aider Rosemonde, donc tu vas faire la vaisselle. Voilà. Ça sera pas mal, parce que là, ça commence à puire. Hein. Oui, t'as refait un bouquin! Parfait, Odile, tu vas nous faire deux bouquins. Allez, vendre un éditeur. Tac, vendre un éditeur. Toc. Voilà. On va gagner du pognon comme ça. Bravo. Regardez-moi ces petites filles. D'accord? Ces petites filles studieuses qui font leurs devoirs. C'est pas mignon. Les pauvres choupettes. Oui. Tes zébrures qui sont revenues, cocotte. Donc, super, je dis. Ils vont tous être malades en même temps. Oh là là. Oui, ils nous ont mis des paquets de graines encore partout. Ça suffit, c'était trop gentil. Mais nous, on fait de l'écriture finalement dans cette partie et pas de jardinage. Peut-être que jardinage, ce serait plus facile, effectivement. Mais c'est aussi parce que Lorelai, elle était auteur et on a continué. Donc les graines, c'est gentil, mais ça va, hein? On n'a pas forcément besoin ni envie maintenant, donc vous êtes gentils. Bon, il commence à faire nuit. Et toi, tu... Bah, elles sont toutes parties se coucher. Ah oui, bah écoute. Mais toi, t'as pas mangé, toi. Viens manger, après tu vas te coucher, toi. Ok, quoi? Mais ah, arrête de harceler tout le monde, toi. Elle se sent seule, la meuf. Ok, toi, tu vas manger là-haut. D'accord, très bien. Tu vois, tu t'étires, oui, bah tu vas manger ça. Ah bah non, t'as pas besoin de manger, toi. Oh, non, je sais plus. Bah tu peux être couché. Et demain, ce sera l'anniversaire de Solveig. Un prochain épisode, ce sera l'anniversaire de Solveig. On saura à quoi elle ressemble en tant qu'adolescente. Une troisième. Oh là 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 là. De dire que c'est la dernière fois que vous pourriez voter pour élire la dernière héritière. Après, eh ben, ce sera. Bah, ce sera tout bonus, c'est-à-dire qu'on fera des bébés et il faudra attendre jusque les bébés grandissent et ça ira très très vite. Donc, vraiment, on est tout près de la fin du challenge. Vraiment très peu d'épisodes qui va rester, je pense. Mais bon, il va en rester quand même un petit peu. Pète un câble, Odile. Allez, va au lit. Qu'on puisse terminer l'épisode. C'est pas grave, Solveig, elle ira se coucher après toute seule comme une grande. Oh, regardez-moi ça!
mon Dieu, c'est pas des vergetures, hein, c'est pire que ça. Allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc, très bientôt les votes. Et le prochain épisode, l'anniversaire de Solveig. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Salut!